Bienvenue à tous dans cette vidéo. Année après année, les médias chantent la même chanson. Le gouvernement est dans le rouge et année après année, on nous parle d'austérité et de coupures. Après, ils nous parlent de la droite et de la gauche. Mais au fond, cette histoire d'esprit de droite et de gauche n'est rien d'autre qu'un habile subterfuge pour nous faire croire que les politiciens de la droite sont du côté des patrons et que ceux de la gauche sont du côté du peuple. Mais c'est du baratin. Oubliez ça, car les politiciens sont du système bancaire international qui travaille à l'élaboration d'un gouvernement mondial année après année. Pour le moment, ils travaillent pour des types qui, eux, sont à la solde des familles des plus riches de la Terre, qui sont le gouvernement réel, qui se réunissent chaque année pour décider qui sera président ou premier ministre et qui sera mis au rancard. Quelle sera aussi l'austérité qui sera appliquée pour affaiblir tel et tel groupe ou peuple, toujours dans l'intérêt de cette gang de criminels qui ont le pouvoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient de plus en plus incroyable. Parce que les gens ne veulent pas y croire. Et pourtant, ils sont là. Et c'est réel. Ils vont décider, évidemment, de toutes ces choses-là. Et toujours, évidemment, pour leur propre intérêt et pour leur pouvoir. Nous vivons dans un monde factice, où la bêtise humaine est à son comble. Les médias d'information sont la propriété de ces rois. Ce sont des rois de l'ombre qui décident ce qui sera dit et ce qui ne sera pas dit. Et quand un inconscient franchit la ligne, il est vite repris ou congédié. C'est ça les médias d'information, mes chers amis. Nous vivons dans un monde complètement contrôlé, dans un monde où le paradoxe et l'illogisme est roi, où la bêtise est la norme et où les mêmes méfaits sur des politiques malfaisantes peuvent être répétés sur le peuple année après année. Des pubs de la télé font la promotion des vaccins, pour vous donner un exemple, sans même être une pub de vaccins. De plus, on parle de pubs dans les vaccins. Les pubs de vaccins font la promotion de futures campagnes de vaccination sans pour autant en faire la promotion. Comment font-ils pour convaincre les gens de tous ces mensonges? La réponse est si simple que vous risquez d'être choqué ou frustré. Peu importe, je vais vous le dire, c'est la peur. Ils utilisent la peur comme un moteur et après la manipulation, on élabore des messages subtil en installant des valorisants, comme le chanteur un tel, une star, a passé la file d'attente pour recevoir son vaccin contre le H1N1. Vous vous souvenez sûrement de Dubois qui a passé la file d'attente et bingo, il s'est fait injecter sa merde. Et voilà, le tour est joué, des naïfs vont croire que le vaccin est important pour eux, car le chanteur s'est fait vacciner en passant outre une ligne d'attente. Quelle foutaise! Et pourtant, ça fonctionne à merveille. C'est une arnaque vieille comme le monde. Les arnaqueurs professionnels appellent ça le coup jamaïcain. C'est utiliser un complice qui fait croire à la victime que c'est une bonne affaire, l'arnaque en question. Et imaginez comment de pauvres gens sont victimes du gouvernement avec ces astuces aussi ridicules pour tromper les gens et en faire des victimes. Ce qui est triste, est que souvent ces enfants qui sont évidemment des victimes potentielles, sont les victimes les plus innocentes de ce jeu. Et c'est ça qui me fait rager. Les vaccins, c'est de la merde bourrée d'hydroxyde d'aluminium et bien d'autres merdes, et qui a qu'un seul but, il faut le dire, réduire la population vicieusement. Les gens doivent comprendre que les gouvernements actuels sont si décadents et corrompus qu'ils sont déchus depuis longtemps de leur noble tâche,
celle de servir la population, de la protéger et d'appliquer la justice. Ils sont si corrompus, et ça depuis si longtemps, que c'est devenu un système normal. On a normalisé quelque chose de complètement farfelu, de dingue. Une norme, on en a fait une norme. C'est comme si un voleur s'installait chez vous et vous volait tous les jours depuis 10 ans et que stupidement ou inconsciemment, vous le laissez faire et après il devient votre ami et continue avec le sourire à vous voler plus de 90% de votre salaire, de vos biens et qu'en plus, ils finissent même par avoir le culot de vous demander un salaire pour le faire. Trouvez-vous ça acceptable? Trouvez-vous ça logique? Et pourtant, c'est exactement ce que nos gouvernements font. Ils nous réduisent à l'esclavage et nous demandent de l'accepter. Si vraiment les taxes et les impôts, mesdames et messieurs, contribuaient réellement à la société, ça ferait très longtemps que nous aurions un trésor national. Quand vous épargnez, vous accumulez un compte bancaire garni ou un coffre-fort bien rempli. Mais pourtant, année après année, votre gouvernement, si gentil, si aimable, n'a pas d'épargne. Il n'a pas accumulé de milliards, nulle part. Et personne ne trouve ça bizarre. Personne ne se pose de questions. Et voilà le paradoxe économique, typique, qui prouve l'arnaque et la manipulation. Mais en revanche, année après année, les arnaqueurs, les banksters, les banques à charte engrangent des milliards provenant du gouvernement. Voilà celui qui s'est installé chez vous et qui a décidé de prendre tous vos biens et vous demander un salaire. Voilà l'arnaqueur démasqué. Mais vous êtes tellement stupide et tellement épris de son sourire que vous le laissez faire. Et évidemment, ce gouvernement ne peut pas engranger des milliards. Alors, comment se fait-il qu'année après année, les banques engrangent des milliards provenant du gouvernement et qui en somme le Trésor national? Voilà, le Trésor national fait à la sueur et par le dur labeur de la nation détourner dans les coffres-forts de quelques super milliardaires comme Rothschild et Rockefeller, qui n'ont aucun compte à rendre à personne, pendant que eux engrangent nos milliards, je dis bien nos milliards grâce à notre travail, à la sueur du peuple. Nous, le peuple, sommes les victimes. Ils nous accusent d'être ceux qui sont responsables des déficits à travers leurs médias, de la dette, du malheur des autres. On accuse les pauvres, on accuse les vieux, on accuse les étudiants, on accuse tous ceux qu'on peut accuser. Et quand cette fameuse dette est évidemment la panacée qui devient la responsabilité du peuple, eh bien, ce qui est très, très bizarre, c'est que les gens n'allument pas, ils ne comprennent pas, ils se sentent vraiment responsables, ils s'accusent mutuellement, c'est de la faute à un, c'est de la faute à l'autre. Et c'est exactement ce que ces gens-là veulent. Ils veulent que vous ne les pointiez pas du doigt. Nous, le peuple, sommes les victimes. Ils nous accusent d'être ceux qui sont responsables des déficits de la dette, du malheur des autres, car la dette, cette fameuse dette, est la résultante de leur intérêt démesuré et criminel que ces banksters exigent. Voilà pourquoi je dis, depuis des années, nationalisons nos banques, nos systèmes bancaires, pour que le Trésor national soit disponible, non pas pour eux, mais pour le peuple, non pas pour quelques familles de banksters, mais pour le peuple. Vraiment, nous vivons dans un monde complètement déconnecté de la réalité, qui vit sous une arnaque constante, et en fait une réalité. C'est un petit jeu qui peut tourner au drame, comme si un jour, un type sonnait à votre porte et vous disait « Je suis maintenant le propriétaire de votre maison. » Comment réagiriez-vous? Quelqu'un qui sonne à la porte et dit ça. Et il dit « Je suis maintenant le propriétaire de votre maison. Et votre maison est à moi. Et votre salaire me sera versé directement. » Maintenant, vous demeuriez peut-être sur vos deux oreilles.
Si c'était, mettons, quelqu'un qui vient vous gérer parce que vous avez une maladie d'Alzheimer, je ne sais pas moi. Et imaginez qu'il vous dit, maintenant, vous dormirez au grenier et moi, je prendrai votre chambre et vous lui dites merci. Alors, maintenant, imaginez que vous aviez l'intention d'accepter et que vous avez même accepté sa demande avec le sourire. Ça semble étrange comme histoire à première vue, et ça l'est évidemment. Mais c'est une histoire de notre pays, mes chers amis. C'est l'histoire de gens complètement déconnectés de la réalité qui croient que tout ce que le gouvernement dit est la vérité à propos de la dette, de la droite, de la gauche. Mais au fond, la droite, la gauche, c'est pas ça qui est important, c'est de savoir. La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'on doit poser à un politicien, est-ce que tu es pour les banques ou est-ce que tu es pour le peuple? Bon, pas la droite, la gauche, ça sert strictement à rien. Ce n'est encore qu'un subterfuge pour que eux ne soient pas visés, que personne, c'est un arnaqueur, il ne veut pas être démasqué. Pour que ces gens ne soient pas démasqués, on utilise des subterfuges de droite et de gauche. Mais la véritable question à poser au gouvernement, pour qui tu es? Pour remplir les poches de ces banquiers internationaux ou remplir les poches des citoyens qui le méritent bien parce que c'est eux qui fabriquent les richesses dans le pays, pas les banquiers. Les banquiers ne font qu'amener des chiffres, des ordinateurs, ils font la comptabilité, ils s'en mettent plein les poches. Qui est celui que tu choisis, mon cher gouvernement? Le gouvernement va choisir évidemment les banquiers parce que c'est ce qu'il fait actuellement. Et il va vous demander de payer pour les banquiers. Les gens encore aujourd'hui ne comprennent pas que la richesse d'un pays, c'est sa population. Sans population, il n'y a rien. Oui, rien à gouverner, rien à tirer d'un désert. Que vous ayez une mallette d'or ou de billets, vous n'en tirerez rien. L'argent de papier devient une arme absolue si elle est basée sur un contrôle privé rigoureux qui exige d'être l'émetteur du crédit des fameux nouveaux emprunts, qui deviendront de nouveaux dépôts ex nihilo, de l'argent venu de nulle part, parce que ça en prend, c'est normal, pour chaque nouvelle chose. Mais ce pouvoir est gigantesque. Si un tel pouvoir devient évidemment la norme, si eux ont la norme entre les mains, et c'est actuellement le cas, eh bien aucun gouvernement ne peut être roi de son pays, ne peut être le leader de son pays. Aucun gouvernement automatiquement ne peut faire quoi que ce soit pour le peuple. Il vient d'abdiquer son pouvoir complet. Il devient rien d'autre qu'un vil valet qui n'aura qu'une tâche ingrate, celle de pouvoir, plutôt de pourvoir à ce que la dette publique, qui aurait dû être un trésor national, deviennent évidemment un service de la dette à perpète, qui assure à cette élite un revenu à perpète, une élite dominatrice, le contrôle absolu de toute politique désirée par le peuple. Ainsi, plus rien n'a de sens que de l'austérité. L'austérité continuelle devient une norme, encore une norme, et le système va mettre tout son génie à inventer des taxes et des impôts pour entretenir ce gouffre sans fond de la dette sans plafond pour assouvir évidemment le goût qu'ils ont du pouvoir et d'accumuler des fortunes extrêmement colossales qui combinent les intérêts composés qui rendent impossible le remboursement car la plus grande partie de l'actif est déjà déposée dans les coffres des créditeurs, les banksters internationaux, Rothschild et Rockefeller. Le débiteur n'a rien d'autre qu'une cote idiote et une marge de crédit, ce qui est loin d'être de l'argent comptant, vous en conviendrez. Voilà un autre paradoxe. Les gouvernements nous enseignent que le crédit n'est pas de l'argent comptant, mais en revanche, ils refusent d'être les créditeurs du bout de la chaîne pour le peuple, pour en faire un trésor national, comme évidemment les Rockefeller le font pour eux-mêmes. Ils se créent un trésor familial. Ce n'est pas un trésor national, là on parle que c'est eux qui encaissent tout, ils sont le bout de la chaîne, et leurs semblables ont un même pouvoir, aussi important et si fort que tout ça pour le malheur du peuple. Et eux se font un bonheur. Évidemment, les Rothschild et les Rockefeller sont au fond nos créditeurs.
Pourtant, jour après jour, les médias parlent de la dette et nous martèlent que c'est si important, qu'il faut payer, qu'il faut réduire le déficit, tout ça. Mais tout est relié avec la dette publique, sans pour autant comprendre que la vraie richesse pour le peuple, c'est pas de payer une dette indue, mais d'être capable de vivre dignement, de pouvoir se nourrir, nourrir ses enfants et bien les éduquer et en faire de bons citoyens. Ils vous diront, mais c'est pas important. Si on ne paye pas la dette, on ne pourrait pas s'offrir toutes ces choses. Foutaise. On pourrait s'y offrir si le bout de la chaîne nous appartenait. Si les banques étaient à nous. C'est pour l'avenir de nos enfants. Quelle blague qu'ils disent, au fond, les perroquets des médias, c'est toujours pour le bien de nos enfants de payer la dette. Depuis le temps que nous payons cette dette, si c'était vrai, ça ferait longtemps que tout ça serait déjà terminé, tout serait payé. L'argent payé sur vos payes, tout revenu taxé imposé va dans les coffres des banksters qui sont les plus riches de la planète. C'est une arnaque, la dette et les impôts, c'est une arnaque. Car si nous nationalisons nos banques, nous serions dans un monde où l'usure, même minime, serait déposée au compte national et serait un trésor national. Ce qui veut dire que plus la Banque nationale fait des affaires avec le peuple et plus le peuple s'enrichit collectivement par son travail, les taxes et les impôts deviennent inutiles, obsolètes. Et c'est l'ère de la prospérité par l'effort du peuple et au fond par la logique, par les biens réels, non pas par des intérêts composés, par une dette qui croisse, mais par un trésor national qui devient beau, confortable, un monde beau, confortable, sans austérité. Plus il est riche de technologie et en paix, plus il est prospère. Mais ça, les banksters n'en veulent pas, car ils aiment abuser des peuples, de la terre, car pour eux, c'est plus payant. Mais ça, c'est leur opinion. Réveille-toi, peuple qui dort, car un monde meilleur t'attend. C'est à toi de décider.